Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce nouveau streaming PCM Manager Pro Cycling Manager 2022. On est reparti pour notre petite carrière avec la Française des Jeux Groupama FDJ. Une carrière où on a commencé avec quelques belles courses, notamment de belles victoires sur le Tour de Hollander qu'on a remporté avec un magnifique quadruplé. Un peu de chance, peut-être. En tout cas, pas mal de stratégies, on s'est foiré sur quelques courses, on a quand même bien réussi. Bref, on va continuer cette carrière avec la Groupama FDJ. Allez, Acadel Events, Ocean Road. On va tenter d'y aller avec un de nos sprinters. Hein. On a une équipe de sprinters. On va attendre la dernière boss. On va faire un gros train dans la dernière boss. Avec Lienard, peut-être. Je vais peut-être le sacrifier, Lienard. Lewis Askey a l'air peut-être dans une meilleure forme du jour que Lienard. Ça attaque en plus devant. Il va falloir qu'on fasse rouler les gars à fond. Épuiser un peu tout le monde. Est-ce que Miles va réussir à nous apporter les bidons? Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. On devrait tenir. Il reste 16 km. Ça devrait le faire, même sans ravitaillement. On va lui faire prendre son petit gel à Miles Scottson. À Lienard aussi. Et si Scottson plafonne, on va faire relayer Lienard dès maintenant. On arrive bientôt à la petite boss. Allez. Bon, ça relaie bien quand même. Hein. Allez, on y va avec Lienard 99. Let's go. Voilà, en plus, il a sa petite barre énergétique. Là, c'est parfait. 12 km. On va en mettre à fond dans la descente. Derrière, faut que ça suive. Ouais, Cornieri. Peut-être un peu fatigué tout le monde. Pas mal ce qu'on a fait. Il s'agirait de créer un petit train maintenant. On va mettre Genietz. Askey. Guarnieri. Sinkeldam. Et Jack Stewart. On va mettre Jack Lienard là, Fabien Lienard, pour un peu faire rouler le peloton. Kevin Genietz, parfait ça, et on va mettre Lienard derrière Jack Stewart. Comme ça, hop. C'est bon, tout le monde est là dans ce petit train, c'est parfait. Sinkeldam est un peu à la bourre là, Sinkeldam. On va peut-être l'attendre, il reste 6 km, il reste 6 km, on va mettre la barre tout de suite. À Genietz, Askey, Guarnieri, on va attendre 5 km pour mettre la barre aux autres. Allez, on va quand même y aller là avec Genietz. Voilà, on va faire prendre la barre à tout le monde. Le gel, je veux dire. Il va falloir qu'on s'écarte un petit peu là. Voilà. Le vent est comment? Tiens, le vent est un peu de face, vers la droite. Donc c'est bon pour Genietz. Ah, il est où Sinkeldam là? Ok, il est bien. Il est pas trop mal. Allez, on va faire rouler Askey là si c'est possible. Genietz de s'écarter. Ah là là, il gêne. Ah là 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 là, je l'ai décalé mais pas assez vite. Allez, Lewis Askey qui va sprinter. On va essayer de se décaler un peu vers la droite là. Guarnieri. Peut-être après pour prendre le relais. Sinkeldam. À son tour. Et Jack Stewart qui est loin. Il est tellement loin, Jack Stewart. Ah, on s'est fait coincer dans ce sprint. On va faire un top 10 avec un ou deux coureurs. Aïe, 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 on s'est fait coincer dans ce sprint. J'ai toujours du mal avec les sprints massifs. On fait 7-8 et 11 sur cette Cadel Evans Ocean Road. C'est pas si mal, on aurait pu mieux gérer notre train de sprint, hein, largement. Il y avait du vent. Et alors, on était bien sur la droite de la route, mais on aurait pu faire mieux. Clairement, on aurait pu faire mieux. Ok, donc une 7ème, 8ème et 11ème place. Ça rapporte quelques points. D'ailleurs, on va en profiter pour aller voir, c'est dans l'onglet résultats, le classement. On n'a pas l'indice équipe. On peut voir qu'en tout cas, pour l'instant, en termes de SIA World Tour, on est premier largement avec une quadruplée. En même temps, c'est la deuxième course.
World Tour, donc on n'y a pas eu beaucoup. On va sans doute descendre hein, au fur et à mesure, mais c'est déjà pas mal. Un beau total de points. Alors, c'est bon, on y est. Ah, c'est vraiment pas un tour qui m'enthousiasme, mais on va quand même le faire. Hein. Pas mal, tous les coureurs hein, qui étaient en pic de forme en début de saison voient leur tour de leur pic de forme s'arrêter. Alors, c'est quoi un peu le profil de cette UA autour? Un sprint, un chrono, une grosse montée. Vache. On a qui? On a David Godu? Oh, ça peut être intéressant ce tour UAE. On a qui en sprinter? On a Anthony Roux. Oh. Je vais simuler la première étape, vous m'en voudrez pas, parce qu'on n'a pas de sprinter, on va se faire. On va un petit peu s'embêter dans cette étape. On va faire les autres, je pense. Oh bah celle-là, on va simuler aussi. Tant que nos coureurs abandonnent pas, j'ai envie de dire, on va pas s'embêter. Bah, c'est pas les nôtres, c'est Ravazzi, Kort Nielsen et Simon Geschke. Oh, des bons coureurs hein, qui abandonnent. Lewis Askier est rétabli, ça c'est cool. Mince. Ça c'est cool, il va pouvoir être au taquet pour nous. Storer par contre qui vient de finir son pic de forme. Ouais, David Godu qui est en reprise, hein, David. On va regarder d'ailleurs juste un peu le moral. Tout le monde est en bonne forme. Ouais, un bon moral pour l'instant, c'est cool. Un chrono. Stéphane Kung qui peut être bon sur ce profil. On va laisser leur différent, je vous avoue. 9 secondes pour Kung. T'es pas en grande forme. Ce tour à eux, je le fais à moitié, hein, parce que c'est clairement pas déjà un tour qui m'emballe. Et puis parce que, bon voilà, là l'étape 4 est sympa, et l'étape 7 sera sympa. Cette grosse montée, elle va être sympa. On va voir si David. David est à 65% en forme, donc il sera pas au taquet. On va voir son état de forme un petit peu. Sachant que Paris-Nice c'est dans 11 jours, hein, donc il sera clairement pas au taquet pour Paris-Nice, David. Ça commence à monter. Askew qui souffre, ça c'est pas une surprise. Askew qui protège Storer, Roux qui protège Godu, Kung. Ouais, Kung est plutôt pas mal. C'est Attila Valter hein, qui a du mal. Donc, nous, on suit. Hein. S'il faut rouler, on envoie Valter ou Reichenbach. Ou Kung, d'ailleurs. Godu est moins bien que Storer. Godu est moins bien que Storer. Ça, c'était sûr, hein, vu la forme du jour. Godu ne gagnera pas cette course, déjà. Premier renseignement. Moschetti qui fait un sacré rythme. C'est pas un grimpeur hein, pourtant Moschetti. Hein. Mais là il doit être en pic de forme incroyable là, pour nous faire un rythme. Il a 59 en montagne et il nous épuise nos coureurs. Incroyable le travail. Il nous fait un rythme là. Il reste 13 km. Moschetti, ça y est. Qui est en train de s'écarter. Dylan Teuns peut-être qui va prendre le relais. Attention à l'attaque hein, si ça se regarde. Si Teuns ne prend pas le relais. Nous, on va protéger Storer avec Attila Valter. Attaque de Arensman. Est-ce qu'il est dangereux, Arensman? Pas tellement. On peut peut-être le laisser partir. Par contre, si ça attaque derrière, il faut qu'on soit prêt. Et il faut que Kung soit prêt à prendre le relais. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va essayer de prévenir les attaques. Non, c'est pas nous qui le prenons. C'est Guillaume Martin. Guillaume Martin qui prend le relais pour la Cofidis. Qui est le leader? Alors, si c'est Guillaume Martin qui roule. Eh ben, je sais pas. Guillaume Martin, je sais pas pour qui il roule pour lui-même. Bon, il a pas roulé longtemps. Arashiro qui roule maintenant. Nous, avec Kung, c'est compliqué. Hein. Alors, Godu qui est là, Storer qui est là. Askew qui est lâché. Roux, de toute façon, qui ne fait plus de travail. Qui commence à lâcher.
Attila Valter qui commence à lâcher également. On va remettre Achenbar. Hein. Nous on est bien là, on est tranquille. On est tranquille, manière de parler. Cet horreur, faut peut-être pas trop qu'il en fasse. On tient un peu le rythme. Après il y a Sepkus et Jack Egg devant. Donc attention aux attaques. Bah on va mettre David Godu pour protéger Michael Storer, hein. C'est tout, hein. David Godu qui va se mettre en équipier, mais là il va pas gagner, hein, Michael. David. Donc Michael a peut-être des chances. En tout cas là on est encore nombreux, hein. Bisseger qui est toujours dans le peloton également. On est à fond sur Storer. On commence à être un peu à nu là. Ça commence à lâcher, hein, par l'arrière, hein. Il n'y a plus que 97 coureurs, il va en rester 50 là très rapidement. Il reste 5 km. 5 km. Un petit gel à David Godu. C'est vrai qu'on oublie les gels, hein. J'ai pas ce réflexe moi de mettre les gels, je vous avoue que c'est un tout petit bonus. Peut-être une attaque d'Arensman à gauche. Alors c'est pas dangereux pour l'instant, faut voir qui suit. Si Sepkuskui suit, pardon. Nous on va faire un effort à cette heure, un petit effort à 80 curseurs là. Voilà, histoire de se retrouver. Pas laisser Almeida partir. Almeida qui va rouler. Petitement, mais qui va rouler. Vlasov de la Bora. On va mettre le petit gel aussi pour Storer. Allez, faut pas se faire coincer par Errada. C'est pas mal, hein, ce qu'on fait, hein. Pour l'instant. On est en train de bien gérer notre énergie. On n'est plus que 57. Bisseger qui est lâché, le maillot jaune. C'est presque le moment d'aller prendre la route Jack Egg. Eh ouais, j'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire. Je vais prendre la route Vlasov. Je peux pas prendre la route Vlasov encore. Ah, voilà. Je vais pas trop en faire. Oh, il est épuisé Vlasov. C'est terrible. Pierre Latour peut-être. Higuita. Allez, on va aller sur Higuita. Tranquillement, plutôt sur la. Oh, on a bien fait. On a pris Latour plutôt qu'Higuita. Il y a des défaillances là. Hein. La flamme rouge. Oh, on va prendre Nibali. Il a l'air chaud, Nibali. Zana, on en suit un peu tous les râteliers là. Histoire de remonter un peu tranquillement. Allez, c'est le moment de sprinter. Il nous reste un peu d'énergie. Sepkus qui va gagner. Finalement, il est parti en solitaire. Et Novextorer, on va essayer de gratter une place sur la fin avec l'énergie qui nous reste. Hein. Top 3, top 4, 4e. 4e place pour Michael Storer. C'est pas mal, c'est pas mal, sachant que c'est pas forcément un des meilleurs grimpeurs. Hein. Il est fini devant Nibali ou Michael Wood, c'est pas mal. Il était en grande forme. David Godu qui arrive 29e. Bon, il aura été meilleur quand même que Reichenbach ou Walter, donc il a moyen quand même avec un peu de, avec quelques jours de course et un peu d'entraînement avant Paris-Nice de pas être non plus dégueulasse en montagne. Quatrième place. Donc pour Storer, au général, on remonte 8e à 1 minute de Sepkus, du coup, qui a pris le large. On a même marqué quelques points là de montagne. Mais hors jeu, on est 2e derrière Gino Mader. Gino Mader. Ouais, il y a moyen d'aller chercher, hein, Mader. Hein. On a peut-être un peu trop attendu ou pris les mauvaises roues. On a tenté des coups qui n'ont pas été fructueux. Allez, ça on passe. On n'a pas de sprinter. On va aller directement à la dernière étape, l'étape 7. On va juste regarder que nos coureurs n'ont pas abandonné. Cazen Groove, c'est un qui a abandonné le sprinter. Ça, c'est important. Allez, celle-là on simule aussi. Caleb Ewan qui gagne. Abandon de Rubio Heiner. Oh, un bon grimpeur en plus. Peut-être pas en forme. Clément Davy en pic de forme. Et on approche, regardez, hein, le calendrier en bas là. On approche des courses intéressantes. Strade Bianche, Paris-Nice, Milan-San Remo. Et puis toutes les courses pavées, moi j'adore, personnellement. Ah, ça c'est cool. On va regarder un petit peu juste la forme de nos coureurs là. Arnaud Démare, est-ce que ça... c'est pas Arnaud Démare qu'on va regarder, c'est David Godu. Bon. C'est pas la folie, hein, pour David avec sa blessure. Oh, il y a le Het Nieuwsblad d'ailleurs là. En même temps que cette dernière étape. Ah bah, on va faire le Het Nieuwsblad. Ça nous coupe un peu dans notre élan. On peut inscrire un dernier coureur, tiens.
Pas mal de pavés, ça va jouer au sprint aussi. On peut aller mettre Guarnieri ou Bram Velton. Allez, je vais mettre Jacopo Guarnieri en dernier coureur. Après, je peux mettre Bram Velton et enlever un gars moins bon au pavé, genre Kevin Jegnaet. On va faire ça. Prime au sprinter. Pas sûr qu'on en soit en train de nous laisser partir là. Aïe aïe aïe, derrière ça contre. On va laisser le boulot aux autres. Hein. Ah, ça peut le faire, ça peut le faire. Faut pas que ça se regarde devant par contre. Faut pas que ça se regarde et ça se regarde justement. Allez hop. Faut qu'il n'y en ait que deux ou trois qui partent là. Ah, là, il s'y fait chier. Et ça peut le faire. Ça peut le faire si je laisse pas les deux revenir vers moi là. Je pense que Clay peut calmer le rythme. Ouais, parfait. Voilà, excellent. On va rouler à 60 tranquillou pour l'instant, le temps que ça se dessine un petit peu. On nous laisse à peu près partir. Par contre, il va falloir qu'on hausse le rythme hein, pour revenir sur le groupe devant. On a une 24 de retard. Ça attaque, non? Non, ça attaque pas. C'est juste que ça roule très très fort là. Côté qui va être trop juste, hein. Côté qui va nous claquer dans les doigts, ça c'est clair. On a plus que 2,30 d'avance, mais là ça va commencer à se durcir, regardez. Oh la chute de Christophe Laporte. Chute de Christophe Laporte dans le peloton. Est-ce qu'il va repartir dans le peloton? Il devait être très bien placé. À mon avis, il y a peut-être une chance qu'il accroche là avec le temps qu'il se relève. Oh, il va repartir. Il va pas repartir. Abandon de Christophe Laporte. Oh la blessure de Christophe Laporte devant sa chute également. Devant sa chute. Frison le Belge qui est le seul coureur important de ces trois coureurs. On va voir si ça abandonne également. Non, tout le monde repart, mais Christophe Laporte qui va abandonner. Oh, le gros soutien pour Wout Van Aert qui ne disputera sans doute pas toute la campagne de classique. Et ça, c'est un gros coup dur pour la Lotto Jumbo qui perd un de ses gros gros lieutenants. Et du coup, aujourd'hui, il reste Mike Tönnissen, Van der Sande, Van Hooydonk. Donc il y a quand même du beau matériel hein, pour aider Wout Van Aert, mais son principal coéquipier, son lanceur, ne sera pas là. Nils Polite qui attaque, Nils Polite. On va essayer de le suivre. En tout cas, on va essayer de se laisser porter par Nils Polite. Ah, il veut pas rouler, hein, Nils. Bah, on va pas rouler, hein. On va pas vous porter, les gars. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était être bien placé quand le peloton allait nous reprendre, ce qui a l'air d'être le cas. On peut faire un point sur nos forces. Marco alors qui attaque, tiens, pour la Bora avec Oliver Nassen. Oh, Oliver Nassen qui attaque. Est-ce qu'on va laisser faire? Dans cette montée, Timo Rosson qui a l'air éclaté là. C'est pas très très intense là le rythme qui est mis. Qui est-ce qu'on sacrifie? Est-ce que Liénard, on va continuer à le sacrifier? Est-ce qu'on va mettre Guarnieri à rouler qui est pas très très bon? Garder Liénard un peu encore. Après Liénard, il aura pas toute sa puissance pour le sprint. Guarnieri m'a l'air un peu faible, on va voir. On va voir en tout cas les échappées compris du champ. On va voir dans cette montée là comment ça se passe. Timo Rosen qui fait des relais incroyables. Hein. Ah, Stewart qui recule un peu dans le peloton. Bram Velton va pas tarder à lâcher. Pour l'instant, il protège bien Desmar, il fait un bon taf. Ah, je vais faire rouler Guarnieri, je pense. Hein, s'il faut rouler, en plus sur le plat. S'il y a besoin de rouler, je le fais rouler, mais pour l'instant, ça va. Hein. Yves Lampaert qui attaque. Oh, et Wood Van Aert. Allez, tout de suite, on va mettre Guarnieri. Rosson, en plus, qui est fatigué et qui, de toute façon, ne va pas rouler hein, derrière Wood Van Aert. Regardez, ça attaque. Alors, ça a voulu attaquer, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec Guarnieri? On va attendre, on va attendre. On va attendre une attaque, peut-être là. Oh, j'ai cru que ça allait attaquer. Je suis prêt avec Guarnieri. Voilà. Hop, parfait. Pedersen qui attaque, Garcia Cortina qui attaque. Tout le monde attaque. Et bah nous, on va mettre un gros relais. Pour punir tout ce beau monde. Faut bien être sûr que nos coureurs suivent. Allez, c'est fini pour Bram Velton. On va protéger. Démarre avec Liénard. 50 coureurs hein, dans ce peloton.
Voilà, Guarnieri qui a fait son taf, il a empêché l'attaque. On va le faire faire ce job, hein, de contrer toutes les attaques de favoris. Et je vais mettre Madouas dans sa roue. Je vais tenter une attaque de Madouas. Allez, hop, regardez là, ça veut partir avec Vliegen. On va faire rouler. On va mettre un gros 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 peloton. Gros 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 timing dans le peloton, pardon. Il faudra qu'on aille prendre des ravitaux aussi, hein. Regardez Van Aert qui a voulu s'échapper dans la roue. Avec Guarnieri, on fonce. Bravelton. Et qui est-ce qui est lâché? Tiens, on va faire un petit point sur les lâchés. Juste vite fait. Florent Vermeersch, tiens, lâché. Michael Morcoff. Cavendish lâché, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il sera pas dans le sprint. Katoski qui est. Sutterling qui a fait un gros taf. Et là, on va attaquer avec Madouas. Et là, on va attaquer avec Madouas. Nils Polite qui attaque. Nils Polite et Turner. Et ben, on va suivre l'attaque tout simplement. Ça n'a pas l'air d'une attaque évidemment sur les pavés parce qu'il n'y a pas de danseuse, mais du coup. Et du coup, c'est une belle attaque. Est-ce qu'on a réussi à suivre avec Valentin Madouas? Ah, pas sûr. Et ils veulent pas rouler? Bah, je vais rouler moi, je vais me mettre à 60, rouler un minimum. Qui est-ce qui va rouler dans le peloton? C'est Claes. Plus que 22 coureurs hein, d'ailleurs. Ouh, d'ailleurs, Arnaud Démare a pris une petite cassure là. Liénard l'a mal protégé peut-être. Ouais, on s'est pris une cassure là. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ça va ralentir peut-être. Ça va ralentir. Crevaison de Nils Ekhoff. Attaque de Van Aert. Attaque de Van Aert. On va y aller avec Madouas. On va y aller avec Madouas. Ok. Faut qu'on suive deux trucs en même temps là, c'est compliqué. Pas laisser s'échapper Van Aert surtout. Allez, Guarnieri qui va protéger Démare, ça serait cool. On va essayer de faire revenir Liénard. Et Van Aert qui a pris un... une avance incroyable. Ah, nous, si on n'a pas de sprinter, on a single dame, certes, mais c'est pas fou. Stewart qui est pas en grande forme, hein. Arnaud qui suit pas, Arnaud qui suit pas, il est pas en forme incroyable, Arnaud là. Oh lolo, c'est compliqué. C'est compliqué pour Arnaud. On va le faire suivre, Liénard. On s'occupe de deux choses à la fois. Hein. Oh, derrière, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire rouler Stewart. On va mettre Madouas dans la roue et Sinkeldam derrière. Allez, Stewart roule là. Bon, bah, effort curseur. Effort curseur, c'est pas grave. Focuseur pour Lienard également. Est-ce que ça roule devant? Allez, on a laissé partir Van Aert. On a laissé partir Van Aert. On a laissé partir tout le monde d'ailleurs. Hein. On n'a pas été vigilant. C'est Arnaud là qui nous a foutu un petit peu dans le jus. Allez, on abandonne pour Arnaud. On abandonne. On abandonne. On va le protéger et puis c'est tout. Jack Stewart là qui arrive au bout de son relais. On va faire relayer Valentin. Attendez, parce que là. Hop, on va faire ça. Comme ça, je vais un peu les gêner là. Les suceurs de roue devant là. Stewart, Madouas, Inkeldam, on va les faire prendre leur petit gel. Tout le monde hein, d'ailleurs, tant qu'on y est. On va viser le podium sur cette course avec Sinkeldam peut-être. Il reste 2 km.
Il reste 2 km, si on peut lancer le sprint avec Madouas, ce serait bien, ne pas se faire gêner. Allez, c'est parti, on lance le sprint avec Madouas. Démarre, il est trop loin, de toute façon, c'est qu'une place d'honneur. Single Dame, De Wulf. Oh, Van Aert qui est en train de... Van Aert qui est en train de caler. Il reste 1,3 km, on va pouvoir lancer avec une Single Dame. On lance. Oh, on va peut-être gagner. Oh, attention, faut lancer Sénéchal. Ramon Single Dame, on va s'écrouler. Sénéchal qui va peut-être nous dépasser. Non, c'est la victoire pour Ramon Single Dame. La victoire de Ramon Single Dame. Voilà, oui monsieur. Incroyable. Incroyable. Allez, on va faire le sprint à Arnaud Démare, juste pour le kiff. Allez, juste pour te faire plaisir, Nono. Pour prendre une quoi? Une 14e place, 12e place de Jack Stewart, 11e de Madouas. Ils se sont sacrifiés pour Single Dame. On va même pas remporter le sprint, on a lancé trop tôt. Oh, vraiment, une étape de merde hein, pour Arnaud Démare qui avait une forme de moins 5. Et bah, ça s'est vu. Hein. Oui, quelle victoire de Single Dame sur le Omploot. Omloop Last News. Magnifique. Bah très belle victoire hein. Franchement il était dans une grosse forme Single Dame, il a pallié à la méforme de d'Arnaud Démare. Et nous on va enchaîner avec la dernière étape de l'UAE Tour, ça sera la fin de notre première session hein. Notre session, enfin notre deuxième d'ailleurs. Et les trois échappés finalement qui auront été jusqu'au bout hein, de cette montée, enfin en tout cas jusqu'au bout de cette étape, jusqu'au pied de la montée, donc on aura presque pu en mettre un devant, hein. Comme ça on l'aurait récupéré en renfort. Et là c'est Riabushenko qui fait le train avec Josh en Lemden. Oh, ça va pas être eux longtemps. Hein. C'est pas les rois de la montagne. Ça va plus être Samu maintenant, à mon avis, qui va prendre le relais naturellement. Attaque de João Almeida, le 11e du général. Nous on rappelle avec Storer, on est 8e, hein, 1 minute. Donc, évidemment, Almeida c'est dangereux. Gino Madère également, le meilleur jeune. Ça roule avec les Jumbo. Madder qui s'est fait reprendre, c'est bien. C'est-à-dire qu'il s'est un petit peu épuisé. Errada qui contre. Est-ce qu'on est bien placé, nous? On a l'impression qu'on est un peu à la traîne. On est un peu coincé dans le peloton, surtout. On est caché, au moins. Bon, après, il n'y a pas trop de vent. Errada qui s'épuise. Gino Madder qui est là. Pour vivre heureux, vivons cachés. Là, on est en plein dedans. Par contre, Mickaël, va falloir monter un petit peu plus fort. Et on est un peu trop planqué dans le peloton, là, je pense. Mais ça monte fort, hein, devant, 5 km. Allez, Kung, on va le faire s'écarter, là. Allez, on va se mettre à 89. Alors, notre but, ça va être d'arriver entier en haut. Hein. Là, ça monte très très fort. Certains qui sont en train de s'épuiser. Le but, ça va être de remonter. Regardez Attila, comment il remonte là, par exemple. C'est très très bien. Alors, on va essayer de remettre un petit soutien pour Michael Storer avec Attila Walter. Ah, il est bien remonté, Michael Storer. C'est cool ça. David Godu qui remonte également par la droite là. Gino Madder qui attaque. Laissons-le s'épuiser, hein, Gino. Si on peut lui choper le maillot de meilleur jeune. Alors, on va faire prendre les gels, évidemment, c'est un peu trop tard. On va faire prendre un gel à Attila également. Il est bien remonté, Mikel Storer, c'est cool. Godu qui est pas trop loin non plus. Allez, on va les faire. Aschenbach, Storer, Godu. On va les faire aller à 94. Comme ça va vraiment bien suivre le rythme. Il est où Gino? Il est encore en tête. 1,7 km. Les gels pour tout le monde. Le gel pour Attila par exemple, qui va faire plaisir. Allez, tout le monde à 99 s'il vous plaît. Bien, Storer est en forme. Storer a encore du jus, c'est vraiment cool là. On a presque été trop calme. Qui est-ce qu'on peut prendre la route qui? Arensman, Pronski, Michael Woods. Bah Michael Woods, c'est parfait. Prenons la route de Michael Woods avec Michael Storer et Attila. On va le déplacer. Voilà. On a été trop tendre. On a été beaucoup trop tendre. Daniel Martinez, peut-être la route de Daniel Martinez. Oh là là, on a mal géré. On a mal géré. On avait tellement plus d'énergie que ça. Aïe aïe aïe.
J'étais bloqué dans le peloton et Gino Madère qui va gagner en plus, alors qu'il était crevé depuis un moment. Oh là, et je pense que beaucoup de gens se sont fait coincer, hein, parce qu'il y a encore 114 coureurs. Oh, très mauvaise course, très mauvaise course. On finit cette UAE Tour sur une mauvaise note, hein, là. On a mal géré cette montée, d'habitude c'est notre fort. On s'est fait coincer dans le peloton, alors on a très très bien géré la barre d'énergie, mais le problème c'est que. Bah, c'est que l'écrémage s'est pas fait, hein. L'écrémage s'est pas fait, et du coup tout le monde était groupé. Alors c'était pas à nous de faire l'écrémage, hein, on aurait peut-être dû, mais. On avait un groupe homogène. Ah, on a fini l'étape de une arrivée en montagne avec de l'énergie, ça c'est frustrant, on va peut-être faire un top 10. Bon, 8ème avec cette horreur. Après, on aurait pu faire au mieux 4ème, hein, dans tous les cas. Du coup, évidemment, le maillot blanc, c'est Madère, hein, qui l'a. Est-ce qu'on avait un objectif de sponsor sur le Tour UAE? Je ne sais pas. Non. Prochain objectif, c'est le 5 mars avec la Strade Bianche. Les Strade Bianche, d'ailleurs. Grand Prix de la Drôme, hein, on va passer. Hein, on regarde un petit peu les messages. Pas grand-chose. Bon, les finances, on s'en inquiète pas trop. Grand Prix de la Drôme, on va simuler. Est-ce qu'un de nos gars peut faire un bon résultat, genre Guarnieri? Non, même pas. Alors, c'est un peu de montagne. Guarnieri a fait avant-dernier. Guarnieri, à part le sprint, il est catastrophique. Hein. Ah, va y avoir un Kuurne Brussels-Kuurne après, ça c'est cool. En détection, tiens, on va voir ça après. On va voir l'infirmerie un petit peu là, qu'est-ce qui se passe. Donc, Carmirail chez nous et le GAC. Et chez les autres, on a qui? Eddie Dunbar. Blessé, Kort Nielsen, Ciccone, Simon Geschke, Caden Groves, Chris Harper, Christophe Laporte, Seb Vandemark aussi, tiens. Brent Vandemore. Pas mal de petits blessés, hein, quand même. Godu qui est toujours à 68 en termes de forme, ça c'est pas terrible. Kuurne Bruxelles-Kuurne. On va simuler Kuurne Bruxelles-Kuurne, c'est une course hors catégorie, on va voir ce que ça fait en simulant. Sixième avec Démare. Victoire de Van Aert. Quelques coureurs qui ont abandonné, est-ce que c'est des coureurs importants? Non, c'est des randoms. Bon voilà, c'était une course hors catégorie. Donc on l'a pas couru exprès. C'est histoire de faire un petit calendrier classique à nos coureurs et de les faire prendre en expérience. Bilan financier, on est pas mal. Alors, Lars von Berg, ok, très bien. Le Samin, je pense qu'on va le simuler aussi, hein, c'est plat. On va laisser Démare faire le sprint. Bon, tiens, Kung de 12e. Ah oui, et Démare qui a gagné le sprint, mais du peloton, de la 17e place. Une échappée qui a gagné. Pas de blessure, c'est déjà ça. Un mec Israël, première tech. Ouais, deux bons lieutenants qui se sont blessés. Bon, on a évité les blessures, donc c'est déjà ça. David Godu qui est toujours à 68 en forme, 69, le pauvre. Ah, il sera à peine à 70. Le GAC qui est de retour, par contre. Tour de Suisse. Notre prototype qui est prêt. Ouais, ok, d'accord, pas encore. Le GAC, il est où? Le GAC, il a 62. On va éviter de le faire faire des courses, je pense. Olivier Le Gac. On va le remplacer parce que là il sera pas en forme. Hein, le pauvre. On va mettre quelqu'un d'autre sur l'Estrade Bianche. Bon, on va mettre Thibaut Pinot, tiens, sur l'Estrade Bianche. Et après sur les Grands Prix comme ça, là. On va mettre Liénard. Faire des courses au petit Liénard. Et après 72, 70. Allez, ça y est. On est prêt au départ des Strade Bianche. On va voir un petit peu les notes. Bon, Démare, ils veulent vraiment pas qu'ils passent une bonne étape du Strade Bianche.
Un peu dommage. Un peu dommage pour Arnaud. Qui sera du coup pas forcément le favori hein, de cette étape. Madouas et Kung qui sont là dans ce groupe de 20 coureurs. On va voir qui est-ce qu'il y a. Velasco, Kelderman, Izaguirre. Ouais, ça va revenir. Hein, ça va revenir. Il va y avoir pas mal de terrain plat là. Ça va sans doute revenir. Oh, ça attaque devant. Ça attaque devant. Et nous, on va attendre que nos équipiers reviennent, peut-être. On va attendre que Jack Stewart revienne et que tout le monde revienne là. Est-ce que ça roule? Ayuso roule peut-être. Eh, ça s'échappe devant, attention, hein. Pas trop laisser partir les échappés là. Et un groupe de contre. Ouais, Mosca qui est en train de s'échapper. Tuns, Barguil, et King, Evenpool, Neyland, Moniquet, Campenard, Scalbrelli. Bon, on a donné un bon coup de pouce là avec Geniette. Maintenant, il faudra que d'autres équipes se relaient. Peut-être que si on fait revenir le groupe derrière, ça va peut-être rouler avec nous. Peut-être. Peut-être, peut-être. Profiter que Linard soit là peut-être pour nous donner des petits bidons, ça serait bien aussi. Bon, on sacrifie Jack Stewart. Pas sûr du choix. Un bon sprinter qui aurait pu faire des dégâts. On va tout miser sur Madouas. De toute façon, faut avoir qu'une seule carte dans son jeu. Ah, il est parti tout seul, Stewart. C'est vraiment pas terrible ça. Ça va faire rouler peut-être un petit peu les autres. Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Ah, c'est terrible ça, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Allez, Cinquel Dame. Non, on va mettre Kung. Cinquel Dame, Madouas. On va essayer de se faire emmener par Leonard Kamnema. Allez, un espèce de train là. Bon, je pense que c'est râpé pour la victoire. On va essayer au moins de bien se comporter dans ces derniers hectomètres. Stewart qui semble être cramé. On va laisser Kung faire l'effort. Ouais, nous, il nous reste 4 km. On va voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Tuns qui est quasiment arrivé en haut de la montée. Bettiol, Mosca. Qu'est-ce qu'on a mal géré? Qu'est-ce qu'on a mal géré? Allez, il faut grimper là à fond. Il faut pas que Madouas soit gêné. Allez, range-toi, Ayuso. Oh, notre train, il est bon, hein. C'est dommage. Allez, il faut que Single Dame maintenant prenne le relais. Ah, c'est tellement serré. Pourtant, on était bien placé, hein. On s'est même fait. On est en train de se faire piéger là. On va faire 7ème avec Sinkeldam. Oh là là, bah dis donc. Ok, on est passé à côté. On est passé à côté. On a de 1 laissé partir trop de monde. Et de 2, on s'est fait enfermer. Mais c'est compliqué, hein. Très très mauvaise gestion de Strade Bianche. Un petit peu déçu. On avait pourtant des coureurs plutôt pas mal. On a fait 7, 12, 14, 15. Donc groupé, mais groupé dans les places d'honneur. On va gratter quelques points en classement. Mais il y a mieux à faire. Il hein, y a mieux à faire. On s'est fait piéger malheureusement. Dommage. Dommage, dommage.
Bon, il n'y avait pas de pression du sponsor sur cette course. Eh, quoique. Si, si, il y avait une petite pression. On a perdu un peu de confiance là de la part de notre sponsor. On attendra Paris-Nice sur un prochain épisode. Pit de forme pour Lénard. Ouais, mais c'est trop tard, mon gars. Enfin, non, quoique, ça va être bien. Donc, l'objectif, c'était quoi? C'était. Ah, ouais, on avait quand même un objectif de top 3. On a fait top 10 avec Sinkeldam. Un objectif de 3 étoiles quand même, hein. On s'est loupé là-dessus. On avait moyen de faire mieux. Ah ouais, donc notre barre de confiance s'est nettement dégradée. Bon. Résultats remarquables, on a fait des résultats remarquables, c'est déjà ça. Hein, inscription des coureurs, effectif. Nous n'avons aucun coureur connu dans le territoire Italie, Suisse, Pays de la Loire. Ouais. C'est ma faute, hein, je prends l'effectif tel quel. Hein. Ok, bon, bah écoutez, voilà, c'était le dernier épisode. On se retrouvera, enfin, la dernière course de cet épisode, on se retrouvera pour Paris-Nice dans un prochain épisode. On va juste faire le petit profil de Paris-Nice pour vous donner un petit aperçu. Une première étape déjà qui sera pas mal animée, hein, entre Mantes-la-Ville et Mantes-la-Ville. Au Farges d'Orléans, à part le début, qui pourra avoir quelques petits points de la montagne sympas à jouer. Pourquoi pas avec Godu d'ailleurs. Ce sera un peu mort. Ensuite, Vierzon, Dun-le-Palestel, bon. Une petite arrivée au sommet, c'est pas trop mal. Doméra Montluçon, ça sera chiant. Enfin, de toute façon, c'est un chrono. Celle-là peut être pas mal. Celle-là peut être pas mal. Tactiquement, elle peut être pas mal à jouer. Courtaison au bagne, ça peut être sympa. Et puis le col de Turini en clôture de Sparinis, ce sera l'avant-dernière étape. Le col de Turini. Et l'arrivée à Nice qui sera pas mal, hein, avec la côte de Paye, le col d'Aise. Des beaux petits cols à grimper. Voilà pour le programme de Paris-Nice, le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo en replay. Et on se retrouve très bientôt pour donc un nouvel épisode de Pro Cycling Manager. Salut à tous!